Hello YouTube, aujourd'hui on va se faire des paperclips altérés avec des, comment ça s'appelle, des chutes de papier. Donc c'est pas compliqué, mon paperclip en fait il est coincé entre deux feuilles de papier, vous voyez. Et ensuite bah, quand vous voulez, bon là c'est pas un très bon exemple hein, parce que voilà la feuille, voilà. Mais voilà, ça sert bien. Hop là. Donc vous pouvez faire comme ça, vous voyez, avec un petit rebord en haut pour mettre un œillet ou pas. Voilà. Celui-ci, par exemple, n'en a pas. Et tout ça, je les ai réalisés avec bah, mes chutes de papier. Parce que là, en ce moment, je suis en plein dans les créas avec chutes de papier. Histoire de. Je vais pas y arriver. Histoire de d'en éliminer. J'en ai éliminé pas mal, pas mal. Hop là. Voilà. Ce que ça donne. Donc là, j'ai fait un. Je peux vous le montrer parce que de toute manière, la copinette pour qui il est l'aura reçu quand la vidéo sortira. Voilà. Et il n'est pas décoré, hein, rien du tout. J'ai fait un TN licorne. Vous verrez le petit paperclip. Hein, voilà. J'ai fait un TN licorne pour une copine. Donc voilà comment il se présente. Il va falloir que je fasse des petites cartes de Project Life pour lui mettre dedans. Voilà. Elle a quatre carnets à l'intérieur. Et du coup, je vais venir lui faire un paperclip avec mes chutes de papier. Parce qu'étant donné qu'il me reste encore tout ça de chutes de papier, je vais venir lui faire. Alors, je lui ai fait des petits tickets que vous ne verrez pas en vidéo. Parce que du coup, eux, je ne les ai pas filmés. Là, voilà, super. J'ai fait des petits tickets en embellissement. Hop là. Et puis ceux-là. On en a fait il n'y a pas longtemps ensemble. Ils étaient sur les tons automnaux. Enfin, dans les couleurs de l'automne. Mais du coup, ceux-là, ben, je ne les ai pas fait avec vous. Et donc, il me reste ça encore en chute de papier. Et du coup, ben, ça, je vais m'en servir pour lui faire des petites cartes de Project Life. Et voilà, donc j'ai commencé, voilà, là j'ai un papier, donc il suffit que vous coupiez un papier de la grandeur que vous souhaitez, hein. Il peut être beaucoup plus grand, beaucoup plus large, et tout, plus petit mais avec un trombone plus petit aussi, voilà, et ensuite je vais venir, mon trombone, je vais venir le cacher. Hop là, avec ça, avec un autre papier. Et ensuite, on viendra décorer cet autre papier avec bah, celui-ci, je pense, avec la licorne. Voilà. Moi, j'étais en train de regarder parce que j'étais en train de me dire. J'ai eu un doute, là, un gros doute. Je me suis dit, est-ce que tu as mis la vidéo en route? Vous me connaissez. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris. Je crois que je l'ai coupé de 1 cm. Mais après, vous faites vraiment comme vous voulez. Là, je l'ai coupé. Il me semble que j'ai laissé. Il est 1 cm plus petit que l'autre. J'ai pas de règle. Enfin, si, celle-ci, mais elle est pourrie. Il faut que j'aille rechercher la mienne. Non, clairement, les chiffres ne se voient plus du tout. Il faudrait que je la mette à la poubelle d'ailleurs. Il fait 4. Et là, ça fait 3. Oui, donc c'est ça. J'ai pris 1 cm en moins. J'ai coupé 1 cm en moins de large. Et puis après, sur la longueur, bah, j'ai dû laisser aussi 1,05. Et du coup, bah, derrière 1,05. Je vais vous montrer comment je fais. Là, par exemple, je vais faire comme ça. Je veux que ce soit de cette grandeur. Bah, je vais plier. Puis après, je viendrai couper. Mais d'abord, on va coller celui-ci. Hop là. Et puis on va mettre quand même pas mal de colle ici, histoire d'emprisonner. Enfin, de toute manière, il y en a pas mal sur le papier. Mais histoire de bien bien emprisonner notre paperclip. Tchoup. Voilà. Je regarde si je suis aussi droite derrière.
Et là, pour des marque-pages, pour mettre dans un bouquin, dans un livre de cuisine, moi j'ai toujours plein de marque-pages partout, de toute manière, étant donné que j'ai toujours plein de bouquins partout. Enfin, bouquin ou cahier, ou carnet, hein, ou cahier, hein, parce que c'est pareil, hein, mes cahiers, ils ont tous 1, 2, 3, 4. Tout dépend. Mais ils en ont beaucoup. Donc celui-ci, j'ai envie de venir le mettre comme ça. Donc comme je vous le disais, je pince ici, j'enlève, je le mets comme ça, et je prends mes ciseaux et je viens couper le surplus pour que ce soit la même grandeur. Et puis ensuite j'en colle. Je vais voir si j'y colle une petite. Si je vais y coller une petite licorne. Hop là. Oupsie. Oui, j'ai bien fait de vérifier. Parce que là, j'étais carrément partie de traviole. Voilà. Je regarde mes licornes et je vois si j'en pose une. Je viens de sortir mes petits. Mes petits trucs de résine, bon ça c'est pas la peine. J'étais en train de me dire, mais ça va être beaucoup trop épais. J'avais sorti cette petite tête, peut-être pour la mettre ici. J'avais sorti celle-ci, mais celle-ci, elles vont être beaucoup trop épaisses. On est bien d'accord. Ouais, non, c'est pas la peine. Ouais, non, c'est pas la peine. Elles sont beaucoup trop épaisses. Donc ça, on oublie. Après, j'ai celles-ci aussi qui sont pas mal. Faut que je m'en recommande d'ailleurs. Ah ouais, elle est trop mignonne elle aussi. Je sais pas, du coup là j'hésite vraiment. Parce que là elle est un peu épaisse. Mais pas beaucoup plus que... Ouais non, à peine plus que celle-ci. Je sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Je ne sais pas. Je sais pas du tout. Ou alors... Ça va être trop grand ça, hein. Ça va être trop grand. Non, ça va pas être trop grand. Non, non mais ça me plaît pas. Ok. Je sais. Là maintenant, ben voilà. J'ai le doute. Du coup, je me demande si je vais vraiment mettre ça. J'en ai. Hop là. C'est les mêmes, hein, mais pas de la même couleur. Pour le coup. Non. Punaise. Voilà, j'étais partie sur cette idée, puis du coup, ben là, ça me va pas du tout. Ça me plaît pas du tout. Peut-être je vais venir faire des petites fleurs avec ma perfo petite fleur. Vu qu'il me reste des petites chutes de papier là. Déjà, on va prendre celle-ci. Est-ce que celle-ci irait bien? Hop là. Ah putain. Ok. Voilà. Je sais pas du tout. Là, je vous avoue que je sais plus quoi faire. Je pense que ouais, je vais peut-être venir faire ça. De petites fleurs. On va voir. On va voir. Parce qu'il ne faut pas qu'il y ait d'épaisseur, ça c'est sûr et certain. Parce que sinon, bah ça, voilà. Hein. Peut-être des petites fleurs, ouais. Avec des petits cœurs, comment dire. Ouais, ça va peut-être plus me plaire en fait.
Ok. Bon, ben, on va partir là-dessus, je pense. Je vais en faire quelques-unes. J'adore cette perfo. Franchement, elle est trop belle. Je suis super contente de l'avoir trouvée. Elle fait des petites fleurs tellement délicates. J'aime beaucoup, beaucoup. Je suis super contente. Enfin, je suis super contente. Oui, si, je suis très fière de moi. Vous le verrez dans les dans de prochaines vidéos. Ça se trouve, vous l'aurez peut-être même vu avant, avant que je poste cette vidéo. Enfin oui, ça c'est sûr, la vidéo partenariat, vous l'aurez vu. Après la vidéo tuto, je ne sais pas si vous l'aurez vu. J'ai fait un partenariat avec la boutique Bibicraft. Et du coup, comment dire? Oui, et du coup, j'avais commandé des fermoirs pour faire des porte-monnaies, faire des pochettes à lunettes, enfin des trucs comme ça. Et je suis super contente parce que ben j'ai fait un porte-monnaie à ma fille là. Bon, forcément, j'ai pas mis comment dire. Et puis un autre là-haut. J'ai pas comment dire. J'ai fait avec du tissu et pas avec le simili-cuir. Là, je veux en faire absolument avec du simili-cuir. Là, j'ai fait avec du tissu. Mais je suis super fière de moi parce que j'ai réussi mon porte-monnaie. Enfin voilà quoi, vous savez que moi et la couture ça fait 15 000. Bon, depuis que j'ai ma machine à coudre, il est vrai que je sais pas lequel prendre. Oui. Il est vrai que je. Bon, maintenant voilà, je fais de la couture, mais c'est vrai que la couture à la main, c'est pas trop mon truc encore. Mais, ma foi, bah là, je suis super contente. Bon, le gros, je l'ai fait avec la machine à coudre. Mais après, il a fallu coudre le tissu au fermoir. Et là, du coup, on est obligé de le faire avec le... Bah, à la main. Ah, putain, j'ai réussi, je suis trop... Mais non, ouais, je suis vraiment fière de moi. Je vous le montrerai, ce petit porte-monnaie. De toute manière, si vous êtes sur mes réseaux sociaux, vous le verrez incessamment sous peu. Hop là. Et puis, de toute manière, je vous prépare une vidéo... Une vidéo avec le porte-monnaie avec du simili-cuir. Voilà ce que donne notre petit paperclip. Chute de papier. Et voilà, même les petites fleurs, hein, je les ai fait avec ma chute de papier qui me reste là. Bon, celle-ci, je vais la garder. D'ailleurs, je lui ferai peut-être des petites fleurs toute faite. Oui, tiens, c'est une bonne idée. Avec le reste, je lui ferai des petites fleurs toutes faites. Donc voilà, hein, que chute de papier, un trombone, chute de papier, et voilà. Bon, bah écoutez, moi je vais vous laisser. Je trouve qu'il est très très mignon, ce petit paperclip. Oh, s'il te plaît. Oh, bup, bup. Il me stresse en fait, il me stresse quand il fait ça. Bref, je vais vous laisser sur une pensée positive. La joie est en tout, il faut savoir l'extraire. C'est une citation de Confucius. Je vous fais tout plein de gros bisous les amis. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite. Ciao !